Bonjour tout le monde. Je veux tout d'abord dire que je suis très content qu'on va pouvoir passer maintenant à la stade de négociation avec les provinces sur les ententes en santé. On sait très bien que les Canadiens ont besoin de meilleurs services en santé. Ils ont besoin de médecins de famille, ils ont besoin d'aide en santé mentale, ils ont besoin qu'on appuie mieux et plus les travailleurs en santé. Et on a besoin de collecter de meilleures données pour que les gens aient les meilleurs services possibles à travers le pays. Alors, je suis très content qu'on va pouvoir avancer pour livrer pour les Canadiens là-dessus. First of all, I'm very pleased that we're able to move forward on negotiating the healthcare agreements with the provinces. We know that Canadians need better healthcare services, whether it's more access to family doctors for more Canadians, whether it's moving forward on better mental health supports, whether it's on supporting our frontline workers who are being so extraordinary for the past 2 years but need better supports, or whether it's collecting better data so people are getting the best quality of care. We will continue to stand up for our public health care system, but we'll make sure we're doing it by delivering for Canadians. Should John Tory have resigned? C'est M. Legault qui appelle le maire et pas vous qui avez pris le téléphone pour parler soit au président ou au maire de Québec. Nous avons entamé depuis longtemps des conversations avec les Américains sur la renégociation de l'entente des tiers pays sûrs. On va continuer d'être là pour s'assurer qu'on a un système qui fonctionne selon nos valeurs de façon intègre, qui traite les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile dans le respect avec les appuis nécessaires, mais on avance de façon à être responsable là-dessus. Signed as mayor, and how will your government deal with Toronto during their leadership challenges? I want to recognize John's years of service to the city of Toronto, and that he was a strong partner for us. I know Toronto is facing real challenges, and I certainly hope that the current and future leadership is able to step up and make sure that Torontonians continue to get the opportunity. So you're On espère avoir des choses à annoncer dans les mois à venir. You've said that you don't want this country to be a haven for Iranian agents, essentially. You've got business people working in Canada who the U.S. accuses of trying to helping Iran skirt U.S. sanctions. Why are you allowing that to happen? Our security agencies are working very closely. Including with the American, with American partners and with the Iranian diaspora here in Canada, on persons of interest, of people who have links to the Iranian leadership, whether it be in the Iran Revolutionary Guard or elsewhere. As people remember, we have moved forward with some of the strongest measures, measures that are used in cases of folks responsible for the Rwandan genocide or the Bosnian atrocities. There, the leadership of Iran and of the Iranian Revolutionary Guard is permanently banned from ever coming to Canada or finding haven here. Obviously, we need to make sure that that's properly enforced, and we're ensuring the resources to do that. D'avoir reçu une invitation des pays des Caraïbes de venir discuter de changement climatique, de discuter d'infrastructures et de partenariats importants dans la région. Mais évidemment, on va parler beaucoup d'Haïti aussi. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans la légitimisation de l'aide internationale pour le peuple haïtien. Je pense que depuis trop de décennies, il y avait une perception que c'était le Nord, c'était les pays plus coloniaux qui essayaient de régler la situation en Haïti sans énormément de succès. Je pense que nous reconnaissons à quel point le peuple haïtien doit être au centre de tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et les pays avoisinants des Caraïbes vont avoir un rôle important à jouer. Une des conversations que je vais continuer d'avoir avec eux, c'est l'importance de tenir tête contre cette douzaine de familles en Haïti qui sont responsables pour l'instabilité et la violence en Haïti depuis bien des années, et que les pays des Caraïbes soient partenaires avec nous dans ce niveau-là, ça va être une très bonne chose. We know that it's been many, many years that Russia tests the Arctic
sovereignty and integrity. A few times a year, they send bombers near our borders in the Arctic. We are always, as NORAD, there to respond to them and to demonstrate that we are we take very seriously defense of our territorial integrity, and we will continue to. Ça fait des années que la Russie teste nos frontières en Arctique avec des envois d'avions de chasse ou d'autres avions. Nous, on est toujours là en tant que NORAD pour répondre à ça, pour démontrer qu'on va défendre notre territoire. Ça fait bien des années qu'ils le font, mais évidemment, depuis leur invasion illégale en Ukraine, ça devient encore plus important de démontrer qu'on est là pour défendre l'Amérique du Nord. Merci beaucoup tout le monde.